à tous, nous vous présentons quand même nos chaleureuses salutations. En même temps, présenter nos excuses parce que, comme vous l'avez constaté, nous avions dû marquer une longue trêve. Comme vous l'avez constaté, dû aux interminables vacances provoquées par le coronavirus, bien entendu. Et espérons que ce corona s'arrête là. C'est la raison pour laquelle ça fait un bail que nous n'avons pas présenté des vidéos. Et j'espère que les excuses seront acceptées. Alors, aujourd'hui, puisque, comme vous l'avez constaté, nous sommes en début d'année 2020-2021, avant de nous plonger au cœur de ça, nous prions que les candidats du baccalauréat réussissent le maximum possible. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons, mon équipe, bien entendu. Alors, nous avons constaté aussi que les classes intermédiaires, autrement dit la première, la seconde, ont observé 8 mois de pause. Autrement dit, le programme n'a pas été bouclé. C'est la raison pour laquelle, comme vous l'avez constaté derrière nous, nous avons jugé nécessaire de faire une opération de révision. Alors, pour réviser, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons jugé nécessaire, comme vous l'avez constaté, de revenir sur les différents courants littéraires. Alors, nous savons que le 16e siècle, le 19e, le 17e et le 18e, ce sont des courants de la seconde. En tout cas, c'est le programme de la seconde. Le 19e domine ce qu'on appelle la première. Le 20e siècle français, bien entendu, domine ce qu'on appelle la terminale. Mais celui africain domine la seconde. Alors là, nous avons dû essayer de revenir ce qu'on appelle sur ces différents courants pour permettre à nos candidats et aux élèves de la première et de la seconde, bien entendu, d'avoir ce qu'on appelle la mainmise sur ces différents courants. Partant de là, la première question qu'on doit soulever est la suivante. Justement, qu'est-ce qu'un courant littéraire? Un courant littéraire regroupe l'ensemble des intellectuels dans une même époque, nourrissant les mêmes pensées littéraires. Alors là, l'élève a compris que j'ai dégagé trois grandes phases. Lesquelles? J'ai bien dit des intellectuels. Qu'est-ce qu'on entend par les intellectuels? Les intellectuels, ce sont les écrivains ou bien les auteurs qui composent ce qu'on appelle un courant littéraire. Par exemple, si nous prenons notre courant, nous les Zigoliens, qui sont ce qu'on appelle ces intellectuels, nous avons le père de Léopoldine, l'homme des contemplations, l'homme des ordres et des ballades, l'homme des châtiments, considéré ce qu'on appelle comme le chef de file. Il y a son ami Alfred de Musset, nous avons Alphonse de Lamartine, nous avons Gérald de Nerval, nous avons Alfred de Vigny, nous avons René de Chateaubriand. Si nous prenons le mouvement de la négritude, qui sont ces intellectuels? Nous avons le père de la nation sénégalaise, l'enfant de Joal, le premier président de la République du Sénégal, autrement dit Léopold Sédar Senghor. Nous avons le Guyanais Léon Gontran Damas, nous avons ce qu'on appelle l'Antillais Monsieur Aimé Césaire, l'homme le plus coriace du mouvement, nous avons Ousmane Sossé, nous avons Ferdinand Oyono, nous avons Chinois Achebe, etc. Et nous avons ce qu'on appelle le surréalisme, qui domine ce qu'on appelle la terminale, en tout cas la première leçon, ce qu'on appelle du programme. Qui sont ces intellectuels? Nous avons le chef de file, M. André Breton, nous avons Louis Aragon, nous avons Paul Éluard, nous avons Benjamin Paré, nous avons Philippe Spaulde, nous avons Robert Dodnoff, etc. C'est ça qu'on appelle les intellectuels qui composent ce qu'on appelle les courants littéraires. J'ai dit, dans une même époque, c'est-à-dire, il y a une période ou bien une ère qui marque ce qu'on appelle ce mouvement. Par exemple, si nous prenons le cas de l'humanisme, par exemple, nous sommes dans les années 1551 jusqu'à 1585. Dans ce cas de figure, nous savons que c'est l'époque qui a marqué ce qu'on appelle l'humanisme. Le romantisme, 1850-1860. Le Parnasse, 1860-1870. Le symbolisme, 1898. Alors, nous avons ce qu'on appelle le surréalisme, 1917-1939. C'est ça qu'on appelle l'époque qui a marqué ce qu'on appelle ces courants littéraires. Mais on a dit que ces intellectuels nourrissent les mêmes pensées littéraires, c'est-à-dire ils ont les mêmes visions par rapport à la littérature. Par exemple, si nous prenons le cas de l'humanisme, quelle est la vision, ce qu'on appelle de l'humanisme? Leur mission était d'enrichir et embellir la langue française.
a fait ce qu'on appelle décès de la même de la mettre au même niveau que ce qu'on appelle que celle grecque et italienne. C'est la raison pour laquelle, poétiquement parlant ou bien littérativement parlant, ces écrivains, ce qu'on appelle de l'humanisme, un courant qui a vu le jour, comme vous l'avez constaté, au XVIe siècle, a regroupé sept poètes, avec Joachim Dublé, considéré comme le chef de file, Ronsard, le prince des poètes, nous avons les Bello, les Jodel, les Politi, les Jeunes Baïfs. Dans leur jeudi, la pensée littéraire de ces poètes de la Pléiade, qui occupe ce qu'on appelle le mouvement humaniste, c'était enrichir et embellir la langue française. Alors dans ce cas, ce qui nous intéresse le plus dans ça, il y a ce qu'on appelle le verbe embellir. Qui dit embellir dit décorer. Qui dit décorer dit orner. Et qui dit orner, embellir, qui dit orner, embellir, décorer, ce qu'on appelle dans la poésie, forcément on fait allusion à ce qu'on appelle à la fonction esthétique qui s'appelle le beau en quelque sorte. Alors qu'est-ce que cela veut dire? La vision des poètes de la Pléiade, dans ce qu'on appelle leur mission, comme j'ai dit tantôt, enrichir, embellir ce qu'on appelle la langue française, cela veut tout simplement dire qu'ils étaient venus pour déposer ce qu'on appelle sur la table la première fonction de la poésie, la fonction essentielle de la poésie, la fonction première de la poésie, dénommée ce qu'on appelle l'esthétique, avec qui Joachim Dublé, dans son ouvrage intitulé ce qu'on appelle les regrets. Dans les regrets, Joachim Dublé a dégagé ce qu'on appelle deux grands poèmes. Le premier, France mère des arts, des armes et des lois. Le deuxième, Heureux qui comme Ulysse a fait ce qu'on appelle un beau voyage. Alors, dans Heureux qui comme Ulysse a fait ce qu'on appelle un beau voyage, pour mettre en valeur ce qu'on appelle cette esthétique, Joachim Dublé a préféré faire appel à ce qu'on appelle à deux quatrains et deux tercets, c'est-à-dire 14 vers. Automatiquement, il met en valeur ce qu'on appelle le sonnet. Qu'est-ce qu'un sonnet? C'est un poème de 14 vers, constitué de deux quatrains et de deux tercets en quelque sorte. Dans France, mère des arts et des armes et des lois, pour privilégier ce qu'on appelle toujours l'esthétique, Joachim Dublé a fait appel à ce qu'on appelle à la répétition d'une même voyelle dans un vers, autrement dit ce qu'on appelle l'allitération en R. La question que l'on se pose, est-ce que c'est les humanistes, les poètes de la Pléiade, bien entendu? Est-ce que ça s'arrête là, au niveau de ce qu'on appelle de la beauté? Non. Ronsard a tenté de raconter ce qu'on appelle sa propre vie dans les amours et les sonnets. Ronsard a raconté sa propre vie dans les ordres. Ronsard a raconté ce qu'on appelle sa propre vie dans ces deux poèmes extraits, ce qu'on appelle de la première œuvre que je viens de citer, Sonnet à Marie, Sonnet à Hélène. Ronsard était en train de ce qu'on appelle de pleurer la perte douloureuse, ce qu'on appelle, de ses jeunes filles. Elle demande ce qu'on appelle son amour envers ce qu'on appelle ses filles. Il était même prêt, ce qu'on appelle, à faire face, ce qu'on appelle à un temps qu'il considère un peu cruel dans son poème intitulé ce qu'on appelle Le temps s'en va. Est-ce que ça s'arrête là? La réponse est non. Ronsard aussi a tenté toujours au niveau du 16e siècle d'essayer de donner ce qu'on appelle une leçon de morale à la jeune féminine. Là, il met en valeur ce qu'on appelle la fonction didactique après avoir démontré ce qu'on appelle le lyrisme personnel. Ronsard, qu'est-ce qu'il dit? En éduquant ce qu'on appelle la société sur le caractère éphémère de la beauté, le partisan du mouvement de la Pléiade déclare « cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur, la vieillesse fera tenir votre beauté. » Autrement dit, La jeune fille doit profiter de ce qu'on appelle de sa jeunesse positivement, parce que ça ne l'empêche pas ce qu'on appelle de réussir sa vie. Autrement dit, Ronsard devient ce qu'on appelle un éducateur. Mais c'est que cet humanisme a été marqué aussi ce qu'on appelle par la réforme. Mais cette réforme a été marquée par la guerre des religions. C'est la guerre des religions qui a provoqué ce qu'on appelle la fonction engagée, autrement dit ce qu'on appelle la fonction militante. Parce que la réforme a été à l'origine ce qu'on appelle de la scission de l'Église en deux camps. Les protestants d'un côté, les catholiques ce qu'on appelle de l'autre côté. Alors, cette séparation a provoqué 36 ans de guerre, dont une brève trêve. Mais il y a une goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Laquelle? Nous avons ce qu'on appelle la nuit de Saint-Barthélemy. Ce jour-là, plus de 3000 protestants ont été massacrés. Forcément, la poésie devient ce qu'on appelle une arme de propagande. C'est la raison pour laquelle, toujours dans ce qu'on appelle dans l'humanisme, Ronsard a jugé nécessaire de publier son chef-d'œuvre intitulé Discours sur les misères de ce temps, où il dénonce de manière très acerbe le comportement des protestants en les accusant d'être à l'origine de la guerre. Mais de l'autre côté, il y a un autre humaniste qui ne fait pas partie des poètes de la Pléiade, qui s'appelle M. Théodore Agrippa Daumigné, qui publie Les Tragiques. Dans Les Tragiques, Agrippa Daumigné a essayé de prendre ce qu'on appelle la défense des protestants. Alors, en accusant les catholiques d'être à l'origine de la guerre, qu'est-ce qu'il nous dit? D'abord, il essaie de consoler ce qu'on appelle les protestants. Qu'est-ce qu'il dit, ce qu'on appelle en ces termes? Vous êtes victime d'une injustice sur terre. Donc, soyez sûr que,
à l'au-delà, vous serez ce qu'on appelle les élus de Dieu, vous vivez ce qu'on appelle à ses côtés. Il menace ce qu'on appelle les catholiques à son tour, vous serez grisonné, vous serez grisaillé jusqu'au plus profond, ce qu'on appelle dans l'enfer. Donc rien que ce qu'on appelle le 16e siècle, qu'est-ce que nous avons? Nous avons presque toutes les fonctions, ce qu'on appelle de la poésie. Nous avons l'esthétique comme beauté développée par Joachim Dublé. Nous avons le lyrisme personnel développé, ce qu'on appelle par la presse des poètes. Nous avons l'éducation développée toujours, ce qu'on appelle par Ronsard. Et le militantisme, Ronsard dans le discours sur les misères de ce temps, qui dénonce ce qu'on appelle les protestants, Agrippa Dominié dans ce qu'on appelle les tragiques, qui dénonce ce qu'on appelle le comportement des catholiques en quelque sorte. Parmi ce qu'on appelle ces autres écrivains, nous avons François Rabelais, qui incarne ce qu'on appelle le conte et le roman, bien entendu, plus précisément ce qu'on appelle son célèbre œuvre intitulée Gargantua. Alors, nous avons aussi ce qu'on appelle Montaigne, qui publie ce qu'on appelle l'essai, qui tente d'éduquer ce qu'on appelle la société. Après ce qu'on appelle ce siècle, qu'est-ce que ça passe? Nous avons ce qu'on appelle le siècle qui est marqué, ce qu'on appelle par le théâtre, qui n'est rien d'autre que ce qu'on appelle le classicisme. Alors, le classicisme, pour le comprendre, c'est très simple. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle l'adjectif classique. Que signifie ce qu'on appelle classique? Classique, c'est quelque chose, quelqu'un qui doit être ce qu'on appelle un modèle ou bien ce qu'on appelle un exemple. C'est la raison pour laquelle on vous dit que les classiques, ce sont ce qu'on appelle les meilleurs éducateurs, ce qu'on appelle de la littérature en quelque sorte, ou bien des courants littéraires. Ces classiques, leur genre de prédilection, comme je l'ai noté, ce qu'on appelle à ma gauche, c'était ce qu'on appelle le théâtre. Mais c'est-à-dire, avant le théâtre, ils ont tenté d'inviter ce qu'on appelle la société à revoir ce qu'on appelle les comportements, parce que le classique devient ce qu'on appelle un modèle. Un modèle doit avoir ce qu'on appelle un comportement exemplaire. Donc, littérativement parlant, quelle est ce qu'on appelle la pensée, ce qu'on appelle des classiques? Mais avant cela, donnons quelques autres de ce qu'on appelle des classiques. Il y a une phrase, une sorte de phrase entre guillemets. On énumère les noms des auteurs, mais vous avez comme l'impression que c'est une phrase, alors que ce sont des noms qui ont été énumérés. Lesquels? Si je dis assis sur la racine de la Bruyère, Molière boit l'eau de la fontaine. Vous avez comme l'impression que c'est une phrase, alors que tel n'est pas le cas. Si je dis la racine, c'est Jean Racine. Nous avons ce qu'on appelle la Bruyère. Il y a Molière, il y a Nicolas Boileau, il y a ce qu'on appelle Jean de la Fontaine. C'est la raison pour laquelle rien que cette phrase, vous réussissez à sortir ce qu'on appelle les intellectuels qui composent ce qu'on appelle le classicisme. Alors, j'ai dit que leur genre de prédilection, littérativement parlant, c'était ce qu'on appelle le théâtre. Les Molières, les Jean Racine, les Corneille, les Boileau sont venus pour imposer ce qu'on appelle les règles qu'il faut respecter autour de ce qu'on appelle du théâtre. Parmi ces règles qu'on doit respecter, ce qu'on appelle dans le théâtre, nous avons ce qu'on appelle la règle des trois unités. L'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité de l'action. Nous avons ce qu'on appelle la règle de composition, c'est-à-dire la rime, nous avons l'alexandrin, nous avons ce qu'on appelle les cinq actes. Alors, les classiques ont jugé nécessaire de privilégier ce qu'on appelle la séparation des genres. Que signifie la séparation des genres? Dans ce cas de figure, ne pensez pas ni à la poésie, ni ce qu'on appelle au roman, ni et moins ce qu'on appelle au théâtre. C'est-à-dire, sur la séparation des genres, soit le classique privilégie ce qu'on appelle la tragédie, ou bien il privilégie ce qu'on appelle la comédie. Dans ce cas, c'est justement, que signifie justement ce qu'on appelle la tragédie? La tragédie a tendance à mettre en valeur une intrigue sentimentale avec des personnages de la haute société. Mais souvent, le dénouement semble malheureux. Autrement dit, on a ce qu'on appelle des morts. L'exemple le plus terre à terre, vous le cherchez, ce qu'on appelle du côté du chef-d'œuvre, du grand, ce qu'on appelle Jean Racine, dans son ouvre intitulé ce qu'on appelle Phèdre. Vous le savez tous, comme l'œuvre de Phèdre. Phèdre a été frappé, ce qu'on appelle, par les dieux. Phèdre était tombée amoureuse quand même de son beau-fils, Hippolyte, le fils de son père, sans pour autant le faire exprès. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? Elle a tenté de séparer Phèdre et Aricie. Aricie et Hippolyte. Vous entendez par Aricie, c'est-à-dire la petite amie, ce qu'on appelle d'Hippolyte. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque le roi est venu, pensant que c'était Hippolyte qui avait orchestré cela, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Hippolyte, il essaie ce qu'on appelle de le malmener en l'envoyant ce qu'on appelle vers les dieux. Hippolyte, ce qu'on appelle, vient de mourir. Pour confirmer ce qu'on appelle la tragédie, Phèdre a compris que les carottes sont cuites pour elle. Pourquoi? Parce que le roi vient de qu'on appelle découvrir la vérité. Phèdre, qu'est-ce qu'elle fait? Phèdre se suicide. Sa confidente, Onon, s'est jetée ce qu'on appelle dans la mare. Ça, c'est la fin, ce qu'on appelle de l'œuvre. C'est ça qu'on appelle la tragédie. Qu'est-ce que la tragédie? Encore une fois, d'une manière générale, comprenez que dans une tragédie, le dénouement est souvent ce qu'on appelle malheureux. Autrement dit, on a ce qu'on appelle des morts. Nous avons aussi ce qu'on appelle la comédie. La comédie, on met en jeu ce qu'on appelle
Le rire qui domine ce qu'on appelle les scènes. Le dénouement semble être heureux. Les bons sont récompensés, mais les méchants, ce qu'on appelle, sont souvent châtiés. Par exemple, si vous prenez le malade imaginaire de Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. Alors, dans ce cas, nous sommes obligés de nous arrêter là aujourd'hui parce que nous avons pris beaucoup de temps, même si on voulait faire le résumé, mais je crois que c'est impossible parce que certains élèves qui sont en train quand même de lire nos vidéos, ils sont obligés, ce qu'on appelle, de comprendre et d'avoir quelques astuces, ce qu'on appelle, sur le courant littéraire. Mais néanmoins, ce n'est que partie remise parce que nous vous promettons ce qu'on appelle, de revenir dans 15 jours pour faire ce qu'on appelle une continuité et attaquer ce qu'on appelle la première phase de l'évaluation, de la première, de la seconde et de la terminale, dénommée ce qu'on appelle la versification. Encore une fois, je vous remercie de votre aimable attention.